Salut à tous et bienvenue sur Vision Hightech. Aujourd'hui donc on est sur Autonomique Marseille. Alors on va voir donc le dispositif Orcam V2. Ici je vous mets en gros le dispositif d'une personne qui porte l'Orcam V2 sur une branche de lunettes. Alors toujours sur Autonomique Marseille, sur le stand de Axos et voir Andrea sur la nouvelle version des MyEyes V2. Alors MyEyes, il va nous expliquer Andrea le but de ce dispositif, il va nous expliquer pour qui, pourquoi, il va nous expliquer tout ceci sur les MyEyes. Alors salut Andrea, donc bonjour. Comment tu vas? Donc on est sur Autonomique Marseille. Alors donc quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu présentes et pourquoi? Voilà. Alors je suis le délégué Orcam pour la France et je suis ici présent à Autonomique Marseille pour vous parler de Orcam MyEyes 2. D'accord. Orcam MyEyes 2, c'est un dispositif doté d'une intelligence artificielle pour les personnes non ou malvoyantes qui va leur permettre directement de lire du texte, reconnaître des visages, des billets de banque, des produits et des codes barres. Au niveau de ce dispositif, comment se présente le package au niveau de la présentation déjà du produit? Alors, vous avez tout devant vous. Voilà. À l'intérieur, on va venir l'ouvrir. Il y a évidemment le dispositif. On vient d'ouvrir du coup le paquet. Il y a le dispositif MyEyes, Orcam MyEyes 2.0 qui est juste ici. D'accord. À l'intérieur, on a une petite paire de lunettes pour les personnes qui n'en ont pas, avec le dispositif aimant qui est déjà dessus. On a évidemment le mode d'emploi qui est à l'intérieur, une petite chiffonnette pour nettoyer la paire de lunettes, le chargeur, les câbles et des petites pièces de rechange si on souhaite sur la lunette mettre l'aimant de l'autre côté. Il y a possibilité de le mettre sur les deux côtés de la lunette. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ce dispositif, donc tu disais qu'on était donc capable pour les malvoyants et les non-voyants. Tout à fait. Qu'est-ce que vont pouvoir faire donc les personnes avec ce dispositif? Qu'est-ce Alors, que exactement ils vont pouvoir faire? Toutes les personnes qui vont avoir des difficultés à la lecture vont pouvoir retrouver une autonomie grâce à ce dispositif en reconnaissant les visages. Le dispositif va permettre instantanément de reconnaître les visages, d'identifier les produits, les cartes de crédit, les billets de banque, les codes barres dans les supermarchés. Ça va permettre également de rendre une certaine autonomie pour lire son journal, pour lire les menus dans les restaurants, les panneaux de signalisation, sur tous les textes qui sont en imprimé, c'est-à-dire sur papier imprimé ou bien sur les écrans numériques, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Ça va permettre de relire tout ça. D'accord. Donc le dispositif, quand il est mis en place, est-ce que tu peux le mettre toi sur toi pour l'allumer? Alors j'en ai déjà un du coup, okay, qui est sur ma paire de lunettes. C'est ma paire de lunettes personnelle. D'accord. Ok. Donc voilà. D'accord. Donc là, toi tu es prêt. Comment on va fonctionner pour par exemple prendre une photo, passer sous OCR? Comment ça va se passer? Alors plusieurs possibilités. Soit la personne est capable de distinguer les paragraphes et sait où elle veut lire. Dans ce cas-là, elle va simplement avoir à. Alors je le remets en route, il s'est mis en pause automatiquement. Je le remets en route. Donc à chaque étape, le dispositif va me parler directement, va me dire où on en est. Là, il m'a dit allumage, le dispositif est chargé à 70%. Si je sais distinguer le paragraphe, je vais simplement pointer du doigt. Voilà, l'appareil distingue le geste. Voilà. Et là, le dispositif est en train de me lire le texte quelques centimètres au-dessus. En effet, je l'ai mis devant le micro. Le dispositif est en train de me lire le texte. Pour arrêter la lecture du texte, je vais simplement mettre ma main voilà, face à l'appareil et là, la lecture s'est arrêtée. Donc en mettant ta main face à toi, ça fait une pause? Ça fait pas une pause, ça arrête la lecture du texte. Pour faire une pause, on va taper deux fois sur le côté, ça va le mettre en pause, un bip va nous indiquer qu'il est en pause et pour reprendre, on va faire le même geste. Voilà. D'accord. Pour les personnes qui ne seraient pas capables de distinguer les paragraphes et qui souhaitent prendre une photo globale et avoir une indication sur ce qui se trouve devant eux, de la même manière, on va pointer avec le nez le texte,
on va taper une fois sur le côté cette fois-ci. Ça va nous prendre une photo globale de ce que l'on a devant vous, devant nous. Voilà, et ça lit le texte qu'on a devant nous, de la même manière. Toujours pour arrêter, la main devant. D'accord. Voilà, la lecture s'est arrêtée. Le dispositif, donc, tu disais qu'il était capable de reconnaître des visages. Alors, comment on va faire pour reconnaître des visages? De la même manière. Monsieur, approchez-vous, mettez-vous face à moi. Voilà, ça va pas prendre, ça va pas enregistrer votre photo, vous inquiétez pas. Alors, hop, on appuie une fois sur le côté, ça prend une photo globale. Là, l'appareil vient de me dire, un homme se trouve devant vous. Si j'avais déjà rencontré monsieur auparavant, j'aurais très bien pu enregistrer son prénom à l'intérieur du dispositif et ça m'aurait dit le prénom de la personne se trouve devant vous. D'accord. Donc ça veut dire qu'après, quand tu te promènerais dans la rue, le dispositif va pouvoir te nommer les gens si tu les as nommés. Plusieurs possibilités. Soit on vient appuyer dès que quelqu'un se trouve devant nous, soit on le met en mode automatique et ça va, dès que quelqu'un se trouvera devant nous, nous l'indiquer. Au niveau, donc, tu me parlais hier de code barre, quelles possibilités on aura en tant que déficient visuel par rapport au code barre? Alors, les codes barres, il est déjà présent sur cet appareil et on a la possibilité de la même manière de faire une photo du code barre et ça va nous indiquer le type du produit. D'accord, la base de données, elle est conséquente. Est-ce qu'on peut... Alors, on a déjà une base de données assez conséquente et les ingénieurs au siège travaillent tous les jours pour en avoir de plus en plus. D'accord, médicaments aussi? Les médicaments qui seront enregistrés. On peut également, pour les produits qui ne sont pas encore enregistrés à l'intérieur de la base de données, les enregistrer comme produits. Et là, on va pouvoir leur donner le nom qu'on souhaite pour que l'appareil reconnaisse directement ces produits. Alors donc Andrea donc, va nous faire écouter l'intégralité des paramètres de réglage de Orcam V2. On va tout de suite donc rentrer dans les paramètres et il va nous expliquer éventuellement les différents paramètres, à quoi ils servent et comment éventuellement les régler. Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres. Paramètres de la vitesse de lecture. Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres. Paramètres du volume. Touchez pour régler le volume. Faites glisser pour d'autres paramètres. Paramètres de lecture. Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres. Paramètres des gestes. Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres. Paramètres des visages. Touchez pour sélectionner ou faites glisser. Donc on a des paramétrages de vitesse de voix, de... Paramètres de produit, de code barre. À cet endroit, on rentre dans les paramètres par rapport à justement la reconnaissance de visage. Paramètres généraux. Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres. Touchez pour quitter le menu des paramètres. Faites glisser. Sortie du menu de configuration. Orcam MyEye version 8 est prête. La batterie est chargée à 26%. Donc voilà l'intégralité des menus que vous pouvez retrouver et modifier directement par le biais de l'appareil qui vous indiquera à chaque fois la démarche à suivre. D'accord, donc ça on l'a donc sur la branche et on a vraiment une très bonne écoute au niveau de l'oreille. On peut donc aussi, si on le désire, après l'appareil peut par Bluetooth transférer le son sur un haut-parleur Bluetooth. Alors ça va arriver dans la prochaine mise à jour qui est disponible gratuitement, qui sera disponible gratuitement. En effet, on va pouvoir se connecter en Bluetooth à tous les appareils qui reçoivent le Bluetooth pour transférer le son. D'accord. Alors, au niveau des différentes manipulations, c'est vraiment accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir des notions d'informatique pour gérer... Alors évidemment, c'est le but. On ne va pas proposer un produit et ne pas le rendre accessible alors qu'il est censé donner de l'autonomie. Donc c'est extrêmement simple. Il y a un petit bouton à l'intérieur avec une sensation quand on va placer le doigt dessus. Ça permet de mettre en marche, mettre en pause ou éteindre. Et de l'autre côté, on a une petite barre tactile avec trois mouvements qui sont extrêmement simples, qui vont être aller vers l'arrière, aller vers l'avant ou taper. Ce sont les trois mouvements qui vont vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. D'accord, donc ça veut dire qu'une personne qui n'a jamais touché à l'informatique, est-ce que par exemple, justement, au sujet d'informatique, on pourra transférer les photos qui ont été prises sur un PC ou quoi? On n'a aucun enregistrement des données dans l'appareil. D'accord. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir aucune utilisation des données également. Donc la protection, c'est vraiment important.
et c'est quelque chose qui est totalement respecté. Aucune photo n'est enregistrée telle quelle, tout est codé à l'intérieur, et il y a uniquement l'appareil qui est capable de décrypter ces données et de donner le prénom qu'on a enregistré. D'accord. Pour le produit ou pour la personne. Rien ne peut être échangé. D'accord, les fonctionnalités Bluetooth et Wi-Fi vont être utiles uniquement pour se connecter à des haut-parleurs, à des écouteurs, et le Wi-Fi pour faire les mises à jour. D'accord, justement en parlant d'écouteurs, est-ce que ça va être compatible avec des personnes qui par exemple ont un problème de surdité? Est-ce que ça va être compatible avec certains appareils auditifs? Ça va être compatible avec certains appareils auditifs en effet. D'accord, donc ça pareil, il faut prendre contact avec la société pour savoir quel appareil sera compatible. Tout à fait, on fait en sorte que le plus d'appareils possible soit adapté, et c'est le but de le rendre disponible pour le plus grand nombre. D'accord. Au niveau contact, alors pour si les personnes qui vont regarder ça sur la chaîne YouTube, au niveau contact, ils vont pouvoir contacter qui, quand, comment et sur quel téléphone, quelle adresse? Alors, en vous rendant directement sur le site www.orcam.com, vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations, et vous pouvez également le retrouver sur le site de Axos, ici en France, pour distribuer les produits. D'accord. Écoute Andrea, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Et merci puis, à vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, donc à plus. Render for a startup.